6. C'est le 6 décembre. Et quel jour on est aujourd'hui? Un jour assez spécial en Alsace et en Lorraine. C'est la Saint-Nicolas. Et oui les amis, c'est la Saint-Nicolas. Donc si vous habitez dans l'Est de la France, même je crois qu'ils le fêtent en Belgique et en Allemagne, eh bien on vous souhaite une bonne Saint-Nicolas les amis, parce qu'on sait que c'est la fête pour vous. Parce qu'on a des mamies, nous. On en a une qui est d'Alsace et on en a une autre qui est de Metz. Donc on connaît la Saint-Nicolas aussi, mais on la fête pas dans le sud. C'est dommage. Alors bonne Saint-Nicolas à tous. Gros bisous pour ce jour joyeux en fait, c'est un jour de fête. Alors si vous connaissez pas Saint-Nicolas, eh bien c'est un monsieur qui ressemble à qui? Au Père Noël. Mais c'est pas le Père Noël. Il est accompagné d'un personnage qui est qui? Le Père Fouettard. Le Père Fouettard. Et il défile dans les rues. Dans l'Est de la France et puis dans d'autres pays de l'Est, ils défilent dans les rues. Et qu'est-ce qu'ils offrent aux bonbons? Et qu'est-ce qu'ils offrent aux enfants? Des friandises. Des friandises aux enfants qui sont sages. Et le Père Fouettard, il fait quoi lui? Il donne des charbons aux enfants qui sont pas sages. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est l'histoire de Saint-Nicolas. Donc si vous pouvez aller voir sur internet, c'est un peu comme le Père Noël, sauf que ben, c'est pas le Père Noël. Voilà. Oui, parce que en fait, lui. Il donne pas des choses comme ça, lui il donne des trucs pour les enfants. Ça c'est pas sage. Oui, c'est pas pareil le Père Noël. Et aussi il faut savoir que le jour du Saint-Nicolas, on mange des fameux pains d'épices. Des pains d'épices, c'est trop trop bon. Alors les amis, c'était juste pour ceux qui connaissent pas Saint-Nicolas. Après il y a une petite chanson aussi qui existe, hein, je sais pas, vous voulez la chanter? Moi je la connais non, pas. Non, tu connais pas? Ah, attention, j'ai chanté le début, c'est au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. Allez, Loulou. Je me sens bien seule. Hein. Bon, vous pouvez aller voir la chanson aussi sur YouTube si vous voulez. Elle y est. Alors, on va passer à l'annonce du gagnant du calendrier de l'ouverture d'hier. Mais comment elle s'appelle? Ah, c'est une fille alors. Alors, comment elle s'appelle? Jessica. Jessica qui est en classe. En CE2. Elle est en CE2. Alors, une classe de plus que Corentin. Alors, on ne sait pas quel âge elle a. On sait juste qu'elle est en CE2. Donc, bravo à toi, Jessica. On t'envoie des gros bisous. Alors maintenant, le moment que vous attendez, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors il y en a 4, comme tous les soirs. Et on va remettre en jeu, bien sûr, le fameux bonhomme Kinder qui vient de se casser la figure. Voilà, donc on en met en jeu aujourd'hui. Donc il faudra, pour participer, répondre par email, pas dans les commentaires, par email, j'insiste bien là-dessus. C'est plus facile pour nous pour le tirage au sort. Est-ce qu'on peut déballer déjà? Oui, vous pouvez ouvrir. Donc pour participer, pour gagner ce bonhomme Kinder qui est ici, eh bien, il faudra tout simplement répondre à la question qui aura fin de vidéo au mail qui s'affichera en bas. Ça c'est vert. Ça y est, vous avez tout ouvert? Vous êtes rapide. Alors là, vous avez ouvert... Ah, attends, j'ai enlevé le petit bonhomme. Vous avez ouvert le calendrier Haribo, je pense. Hein? Moi, j'ai une chaussette verte et pour le temps, une chaussette rouge. Oh, mais tu es trop beau. Oh, c'est so cute, j'adore. Alors, pour Océane, c'est une botte de Père Noël verte. Non, c'est une botte, c'est une chaussette. Non, c'est une botte, regarde. Ah oui. Alors, je ne sais pas quel goût elle a. Alors, c'est une édition limitée pour Noël, bien sûr. Ça n'existe pas dans les paquets Haribo. Donc là, elle est verte. Alors, je ne sais pas. Tu veux l'ouvrir? Je l'ouvre tout seul. Ok, bah tiens. Je pense que c'est un gummy. Oh, mais c'est pas le même goût pour Corentin. Et Corentin, lui, il a une... Oui, tout à fait, c'est un gummy. Une petite botte rouge. Je pense que ça doit être la fraise. Oui. Et c'est trop beau, il y a une nounours et tout. Il y a plein de détails. Ah, oui, c'est un gummy. C'est trop, trop mimi. Et moi, j'en ai pas. Là, on peut pas partager, là. Si. Non, mange tout, ma louloute. C'est très gentil. C'est très gentil, mais je te la laisse. Tu me fais voir à quoi ressemble? Merci ma louloute. Oh, moi je la regarde. Maman, c'est trop bon, elle sent l'ananas. Elle sent au bonbon d'Halloween qu'on avait eu au swap. Peut-être, ouais, moi je trouve que ça sent l'ananas. Alors bah, vous allez me dire le goût que ça a. Alors pour Corentin, il a déjà croqué dedans, bien sûr. Bon, gourmand. Non, t'avais déjà croqué dedans? Alors je crois que c'est Anna. Anna. Anna, ouais, c'est mieux parce que Anna, la soeur de la Reine des Neiges, ne se mange pas. Ça a l'ananas. C'est étonnant. J'aime pas. Ah, t'aimes pas? Oh, bah. Moi. Voilà ce qu'il me donne. Moi. Toute croquée. Oh, j'en goûte. Mais non, c'est pas ananas, c'est fraise. Mais moi, j'aime pas. C'est bon. Mais j'aime bien. Tiens.
Tu goûté? Citron. Mmh. Citron? Mmh. Ah, peut-être que Quentin préférera citron. Pierre. Mange-lui pas les doigts, hein. Lui, il est meilleur. Il est meilleur? Vous échangez ou pas? Oh, vous êtes trop gentille, ma chérie. Au moment où vous vous mettez toujours d'accord. Alors, est-ce qu'on ouvre le deuxième calendrier? Ah, pourquoi enfin? C'est Playmobil, ça n'a pas changé. Et pour Océane, bah, c'est toujours My Little Pony. Alors, c'est la case numéro 10. Le policier. Le policier. Waouh, c'est une belle surprise. Ah, il est collé. Tu t'es pas donné un coup pendant l'année? Non, j'ai cru. De là de la caméra, j'ai cru qu'il s'était donné quelque chose, un petit coup dans le nez. Alors, qu'est-ce que c'est qui c'est ce truc? Bah, tu vas l'ouvrir, non, tu veux que je te l'ouvre? C'est un policier, non, je sais le faire. Ah, bah, ouvre-le alors. Tiens, mon chéri. Je te montrerai une fois que ce sera monté et tout, qu'il sera plus beau. Et toi, ma loulou, t'as eu quoi? Et la bouche pleine de bonbons, t'as tout mangé, je parie. Gourmande. Excellent. Oh, il est trop beau, il a un gilet, on dirait, tu sais les gilets qu'on a dans les voitures? Bah il y est pas. Il y est pas? Il y a pas de 5. 5, 6, 6, non mais 6, oh là là. Il y a pas de 6? Non, pas de compas. Quentin va peut-être pouvoir t'aider à trouver le 6 alors. Est-ce que tu peux aider ta soeur? Lui, pas lui dire où elle est, mais dans quel endroit à peu près? Attends, moi je te conseille de voir tes caisses que t'as déjà ouvertes. Ah, ça c'est pas mal. C'est vrai, il m'ira mieux. Ah, regardez, je vais vous aider à trouver. Tac, tac, tac. En plus, ça c'est que en rose sur violet. Alors, 2, 7, 9, 4. Ah, il est par ici. Voilà. Ah, bah voilà, bah, ça y est, elle a trouvé. Allez, sinon il est plus facile à mettre un tout petit truc. Ça y est, il est monté? Attends. Oh punaise! Attends! Oh punaise! Attendez! Non! Punaise là! Ah non, pas une punaise, tu vas faire mal, Loulou! Tiens, bah, tiens, si tu veux, tu me fais ça, tu ouvres et... parce qu'il faut faire le biais, c'est dur à sortir. Et toi, Loulou, t'as fini? Ça y est, les amis, on a réussi à ouvrir la case d'Océane. Donc, alors, avec qui on commence? C'est ouais. Des lunettes! Corentin, on montre en premier? C'est des lunettes! Alors, Corentin a eu un Playmobil policier. Lunettes. Voilà. Ah bah c'est bon, enfin ils vont pouvoir. Alors ça y est, il va pouvoir attraper le voleur. Il est tout roux, il est tout beau. Il a même, pour mieux voir, il a même un micro. Tu tombes amoureux. Il a même un micro. Il est trop beau. Une petite poche pour mettre le pistolet. Voilà. Il a un micro, il a un casque. Donc on remet sa petite capuche. Capuche, n'importe quoi, casquette. Et Océane, il est trop beau. Attends, c'est enfermé par un comme ça. Je l'ouvre pour montrer. Alors, c'est une baleine. Regardez. Comment on la met? C'est vachement bien. Regardez, c'est une baleine. Mais comment on la met? On l'ouvre et il suffit de l'ouvrir. Et de la mettre dans les cheveux. Comme ça. Et après, après c'est joli. Parce que ça doit être plus pour les têtes à coiffer. Parce que ça tient pas dans mes cheveux. Oh, moi aussi, ça peut tenir dans tes cheveux. Alors, voici pour Océane. Une petite barrette en toute rose. Elle est toute petite, oui. Effectivement, elle est toute petite. Tu peux la mettre aussi à tes Barbie. Je pense que c'est bien à tes Barbie aussi. Oui. Les loulous, ça y est, on a fini d'ouvrir les calendriers de l'avant. Donc, on va vous poser la question que vous attendez tous pour gagner le fameux Kinder. C'est toi qui la pose. Oups. Alors, c'est toi qui la pose, alors vas-y. De quelle forme est la barrette? De quelle forme est la barrette d'Océane? Là, je vous l'ai dit. Ouais. Et de quelle couleur aussi elle est? Et de quelle couleur? Alors, c'est parti, vous pouvez répondre par mail. Le mail qui s'affiche en bas, vous pouvez répondre à cette question. C'est bien sûr un concours qui est adressé aux abonnés. Yosène qui le grimace. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant, vas-y, vous allez où? Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous! Et en attendant la prochaine ouverture du calendrier de l'Avent qui sera demain, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao!